décidé de mettre en place ce REC Live, pas non plus pour se justifier ou essayer de se plaindre, non. D'avoir peut-être un petit peu de monnaie, si t'en as, on va te donner un RIB directement en description, ou est-ce que tu auras le plaisir de nous mettre un petit peu de paire monnaie, à mon habitude. Bah oui, c'est ça. Et voilà, donc demain, tu vas partir sur 3-4 jours d'hospitalisation. Il s'est passé quelque chose dans ton boulot, ou est-ce que la personne qui lui est arrivée aussi, ce malheur, dans le sens où est-ce que, elle ouvre une porte, cette porte-là, tu la prends directement dans le bas du dos. Exactement, oui, et où j'ai été opérée il y a bien longtemps. Et beaucoup se posent la question en se disant peut-être, elle s'est pris une porte dans le dos, c'est long, qu'est-ce qui se passe? Et oui, comme j'ai des vis dans le dos, ça a un petit peu touché aussi les parties là. Donc, voilà. C'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fut une époque par rapport à la pénibilité de ton travail, parce que tu n'as jamais trop fait de sport, tu n'as jamais été faire du parapente, tu n'as jamais fait des sauts en parachute ou autre. Oh, non. Donc, il n'y a que le boulot qui a pu, ou alors ta mère, coucou Paulette, qui t'a donné ces problèmes-là. Mais on a dû te visser directement les vertèbres pour que ton mal de dos soit beaucoup plus acceptable par rapport à ton boulot, et d'où l'intérêt déjà d'avoir, par rapport à ton travail, beaucoup de matériel qui vont te servir à être beaucoup plus soulagé. Oui. Et aujourd'hui, le fait d'avoir ce coup de porte directement dans les vertèbres sur le bas, c'est qu'on va mettre aussi une photo, ça est beaucoup plus parlant, c'est que tes médecins aujourd'hui ont une grosse difficulté, c'est qu'ils ne savent pas s'ils peuvent te manipuler. Avec des vis, c'est très compliqué. C'est ça. Parce que si tu vas avoir tout ce qui est vertèbre et que ça va commencer à fissurer et partir, c'est foutu. Là, on ne peut pas prendre de la glu, recoller et se dire « c'est bon, t'es réparé, quoi ». Et encore moins peut-être une infiltration, parce qu'avec tous les vis que tu as directement au niveau des vertèbres, c'est très compliqué. Et par rapport à tout ce que tu as fait en examen, avec des protocoles, avec aussi bien des traitements, ça ne fonctionne pas. Non, ça ne me fait rien du tout. Donc, c'est pour ça que je vais rentrer les 3 à 5 jours. Demain, tu rentres pour faire des analyses complètes et ressortir, comme tu me le disais encore ce matin, avec des réponses face aujourd'hui à ce mal et repartir tout simplement dans tes propres horizons. Déjà professionnel, aussi personnel, parce que il faut savoir que ça handicape beaucoup. Tu ne sors plus, tu ne fais plus du tout de trottinette, tu ne fais plus du tout de grandes marches ou autre. Puis aller faire c'est la vidéo, compliqué. Faire sortir. Voilà. C'est pour ça qu'on l'a fait celle-ci aujourd'hui, c'est pour montrer que c'est sûr et certain que ça te manque. Mais on va garder ce côté positif, faut pas du tout rentrer dans ce côté où est-ce que tu vas être dans une dépression, parce que je peux te dire que je vais botter une paire de fois le trou de balle. Heureusement, t'étais là. Parce que c'est vrai que... Il ne faut pas que je dise trou de balle. Oui, parce que ça va être mal interprété. Parce que ça va être encore... bien dit, interprété. Parce que souvent, quand je mets en place des vidéos ou autres, ça fait aussi parler. Et ces personnes-là, on aura toujours des détracteurs, que ce soit de ton côté ou du mien, c'est comme ça, c'est la vie. Et je pense que quand tu n'aimes pas une personne et que tu as juste l'envie de la discriminer, il n'y a rien de plus facile. Et je vais finir là-dessus par rapport aussi à cette vidéo-là. Dites-vous bien une chose. Toute personne qui va être en discussion avec vous et qui va justement dénigrer, critiquer, qui va baver, qui va essayer de vraiment couler une personne, quand vous allez lui tourner le dos, ça sera à votre tour. Donc, choisissez bien vos amis, vos collègues. Souvent, on n'a pas le choix. C'est la vie, c'est comme ça. On nous impose tout simplement à être ensemble dans un travail. Mais là, aujourd'hui, c'est une liberté d'expression. C'est ma page, c'est ma chaîne. Et Sissi me fait le plaisir d'être avec moi sur ces projets vidéo. Maintenant, il y a l'espace commentaire. Voilà. Il y a aussi l'espace, tout simplement Messenger en privé. Et allez-y, bavez. Montrez-nous que vous avez peut-être aussi des coronets que de le faire là, derrière ton ordinateur, ou alors à la machine à café. Oui,
Si, si, à mon habitude, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, écoutez, j'ai hâte de vous retrouver sur les prochaines vidéos. J'espère qu'ils vont trouver ce qu'il faut et que je puisse enfin sourire, profiter. Je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Et promis, ça sera même fait directement avec le déambulateur ou alors la chaise roulante. C'est ça que j'aime, te voir rire. À très vite sur une prochaine vidéo en Rec Live.